Je dis, je ne me portais pas bien, mais je dis franchement, ce monsieur-là, vous voyez les photos, les gens publient photos même de lui là et sa femme seulement. Vous ne comprenez pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y en a même qui comprennent un peu, mais c'est un peu bizarre. J'ai dit, je suis allée chercher les vraies informations. Je vais vous éclaircir l'histoire. Je vais mieux vous expliquer pour que vous puissiez expliquer aussi à vos amis. Hein? Ce monsieur s'appelle Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi, c'est un joueur. C'est un joueur. Il a croisé cette dame-là. En 2018, ils se sont mariés. Ils se sont mariés. En tout cas, ils se connaissent depuis 2018. Ils ont des enfants. La dame a eu un discours avec ce monsieur, ce joueur-là. Elle dit, elle veut divorcer. Elle veut divorcer. Vous comprenez un peu? Elle dit, elle veut divorcer. Le joueur a dit, d'accord, j'ai compris. Mais elle dit, pour divorcer, là, elle veut que le joueur divise son l'argent, tout ce qu'il a eu. Ça veut dire un footballeur, tout ce qu'il a eu, il est milliardaire. Elle veut que le joueur divise en deux. Ça veut dire 50-50. Ça veut dire le joueur a 50%, elle a 50%. C'est comme ça, elle veut. Le joueur n'a pas discuté. Il a dit oui, j'ai compris. Que j'ai compris. Que ma femme, j'ai compris. Hein? Écoutez bien, le jour de divorce, devant les juges, devant les juristes, ce n'est pas les juges. Et la dame, c'est la femme de Ashraf Hakim, la femme de ce joueur, se rend compte que Ashraf Hakim a mis toute sa fortune sur le nom de sa maman. Donc, il lui restait seulement que des minimes. Ça n'arrivait même pas 5 francs. C'est ce qui restait à Ashraf Hakimi. Je dis, le joueur a fait fort. Non, les femmes ont trop abusé des joueurs. Cette fois-ci, là, ils se sont levés. Vraiment, Makoso, ce joueur-là t'a dépassé. Ça veut dire, lui-même, il t'a montré à quel point il faut marmailler. Ouais, non, 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 mais c'est fort. Ashraf Hakimi, c'est fort. C'est fort. Voilà. Voilà la bénédiction. Voilà pourquoi l'on dit les parents sont nos dieux sur terre. Voilà pourquoi on dit les parents sont nos dieux sur terre. Vraiment, Ashraf, tu as écouté ta mère. Tu as écouté ta mère. Vraiment, ta mère t'a mise au monde. Vraiment, tu es ma mère. Vraiment, non. Je vais m'étouffer. Je vais m'étouffer, mais vraiment. Un peu de temps, vous vous mariez. Et puis tu viens même dans le foyer du gars, il a déjà tout accompli dans sa vie. Et puis toi, tu vas venir prendre comme ça. Non, je divorce. Et puis il te donne tout. Et puis et toi, tu t'en vas avec pour rien comme ça. Tu t'en vas avec pour rien comme ça. Voilà, ça je dis. Voilà, c'est le. Et m'étouffer. C'est le vrai moyen de divorcer sans laisser un centime à une profiteuse. OK? Goodbye, c'était Mika de cœur. Je vais revenir en force. C'est parce que dans 2 jours là, c'est pas trop ça. Je me porte pas trop bien, donc priez pour moi. Il est revenu. Yeah.